Votre bouche là. Votre bouche. Pourquoi les mamans aiment taper la boue de leurs enfants? L'enfant dit des choses qu'il ne doit pas dire. La maman frappe, pam! Tais-toi. La bouche n'est pas faite pour tout dire. La bouche n'est pas faite pour parler. Ne sois pas un coureur qui annonce de mauvaises nouvelles. Ne sois pas un coureur qui donne des fausses informations sur les gens. Tout ce qui sort de ta bouche est une semence. Si tu sèmes la diffamation, tu vas récolter 10 fois la diffamation. Si tu sèmes le mensonge, tu vas récolter le mensonge. Si tu sèmes le vol, tout ce qui sort de ta bouche là, si tu sèmes ça, tu vas récolter. Ne cours pas des courses inutiles. Quand quelqu'un vient t'asseoir à côté de toi, il veut te faire parler, lève-toi et pars. Ne cours pas des courses inutiles. Ne parle pas mal de quelqu'un. La Bible dit que le vent va emporter, il va entendre. Quand il va entendre là, qu'est-ce qu'il va te faire? Tu peux plus t'excuser? Ah, je voulais dire ça. Il ne fallait même pas dire. Pourquoi tu veux dire? Ça te regarde? Il y a des choses que les gens aiment parler. Ok, parle seulement. Les jours que tu auras problème, tu le sauras. C'est quelle vérité ça? On dit la vérité rend libre les gens. C'est quelle vérité vous voulez dire? Aller parler mal de quelqu'un? Aller insulter quelqu'un? Aller diffamer quelqu'un? Parler mal de quelqu'un? Tu sais qu'il va entendre? Si tu parles mal de quelqu'un, sache que la personne va entendre. C'est que tu voulais dire ça à la personne, mais tu n'as pas le courage, tu es passé par un intermédiaire pour lui dire ce que tu veux dire là. C'est ça. Sinon, tu sais bien que si tu dis quelque chose à quelqu'un, surtout si tu ajoutes certains secrets, sache que ça va arriver. Il y a des courses qu'il ne faut pas faire. Ce que j'appelle les mauvaises courses. Et ça gâche ton avenir. Dans Jérémie 14, dans Proverbe 6, Proverbe 6, verset 16 et 18, Proverbe 6, verset 16 et 18, regardons, Proverbe 6, verset 16 et 18, si on peut avoir ces passages-là, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Écoute-moi très bien, on ne va pas tout lire, non, j'ai sauté, je suis allé au verset 18, chacun n'a qu'à lire. Donc il y a 6 choses que Dieu hait, et même 7 qu'il a en horreur. Si tu as un mari qui aime faire ces choses-là, il ne faut pas avoir peur. Il faut l'asseoir pour lui dire. Si tu as une femme, une de ces choses-là, c'est son habitude. Si ce n'est pas un accident, elle a l'habitude de parler comme ça, il faut l'arrêter. C'est quoi? J'ai extrait tout ça là. C'est le verset 18 là. Le cœur, une de ces 6 choses-là, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il y a des hommes qui dorlotent leurs femmes. Au lieu de dire, ah, oui, mais tu sais, un autre lieu de travail là, les gens sont contre moi. Hey, madame, qui est contre toi au travail? Comment, toi, tu sais, ils sont contre toi quoi? Toi, tu as fait quoi, ils sont contre toi? Ils sont contre toi quoi? Si tu fais un constat toi-même, il n'y a pas de problème. Mais fais attention. Bah, tu vas aller te mettre dans quelque chose, tu vas sortir de la honte. Ah, tu dis, mais tu m'as dit ça là. Mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais tu as voulu dire quoi? Moi, je suis allé brougou. Et on m'a dit ce que tu as fait, ce que tu as dit. Maintenant, je reviens à la tête baissée. Hein? C'est comme les enfants. On ne comprend pas.
Non. Mm-hmm. Hey, papa, on n'a jamais... Ça là, j'ai fui au BPC. On n'a jamais fait ça en classe. Ah, tu, papa aussi est insensé. Vous n'avez jamais fait ça en classe. Mais les maîtres font quoi même? Les maîtres d'aujourd'hui là, ils font quoi? Tu es sûr qu'ils n'ont pas fait ça en classe? Ton enfant a échoué. Les gens ont réussi. C'est quoi qu'on a donné là? Ils n'ont pas fait en classe. Comment ils ont fait pour traiter? Ça, c'est aussi des mamans insensées, des mamans insensées. Ils prennent leurs enfants derrière eux. Temps en temps, quand tu vas arriver maintenant, l'enfant la met la honte sur toi. Le pied qui court au mal, le pied qui parle mal, tu finis ton avenir, il n'y a plus d'espérance pour toi. Pour ça, là, si des gens sont autour de vous, il faut les appeler. Hein. S'ils ne se séparent pas de ça, là, ils vont s'auto-détruire. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Parce que si les pieds courent là, c'est que la bouche va parler. Les pieds courent pour que la bouche parle. Dieu, on te dit que Dieu est ça. Dieu en horreur. Ok, continue. Continue à parler. Jérémie 14, verset 10. Jérémie 14, voici ce que l'Éternel dit de ce peuple-là. Ils aiment à courir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ouais, etc. Ils courent ça et là. Là, tu vois, les chrétiens sont en train de courir. Où tu vas? Ah, tu n'as pas appris, tu n'as pas vu, tu n'as pas lu, puis de temps en temps. Il y a des choses qui se passent. Donc, il ne faut pas prendre un journal, aller dire, tu vois, un tel frère là, il est dans ça. Et moi-même, je savais ça. Fais attention à ça. Est-ce que tu connais les tenants et les aboutissants? Tu connais les dessous de l'affaire? Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Bah, ils sont justes. Pourquoi on vous appelle les protestants sont bêtes? Parce que vous ne faites pas des affaires. Et si vous bloquez les gens, ils vont vous créer des problèmes. Je vous dis ça pour vous avertir. Actuellement, certains sont en train de tomber dans ce piège-là. Voilà. Si tu comprends, comprends. Je suis au courant de beaucoup de choses que vous n'êtes au courant. Pas mettre votre bouche. Donc, tout ce qu'un journal dit, si toi tu crois à ça, le jour que le journal va te dire là, que Pasteur Karambiri, c'est le plus grand gang, on l'a pris au Nigeria. Comme tu aimes les jours, tu vas aller dire on l'a pris, c'est ça. Vous aimez les réseaux sociaux, vous aimez les journaux sans vérifier. Aujourd'hui là, vous lisez n'importe quoi dans les réseaux sociaux, vous croyez à n'importe quoi. Ça veut dire que votre cœur n'est pas entier à Dieu. On dit aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas mal parler de lui. Tu ne vas pas diffamer son nom. Ah, donc tu vas te diffamer toi-même. Tu vas le faire. Alors, pourquoi tu te diffames pas? Pourquoi tu veux diffamer quelqu'un? On te dit que Dieu est ça. C'est pourquoi beaucoup de gens n'entrent pas dans leur avenir.